J'ai préparé mon téléphone avec ma perche à selfie pour être de plus près. Voilà. Et du coup, j'attends avec impatience qu'elle arrive. Elle, c'est Maëva Cook, la nouvelle Miss France, attendue de pied ferme ce midi par une foule d'admirateurs en vieille ville de Boulogne-sur-Mer. Telle une princesse fraîchement couronnée, Miss France 2018 a défilé en calèche dans les rues de la cité où elle a fait ses études et où elle a déjà été désignée Miss, c'était en 2013, Miss Boulogne. Les femmes de Pas-de-Calais sont très jolies. C'est pour ça qu'on a trois Miss de Pas-de-Calais. Et Christian s'y connaît en Miss, il a fait spécialement le déplacement de Berck pour compléter son album photo de Miss. Acclamée par la foule tout au long de son parcours, Maëva Cook s'est prêtée de bonne grâce au jeu des photos et des autographes. Je suis très fier d'elle. Ouais. Elle m'a fait un autographe. Ouais. Alors, en quoi c'était important pour toi d'avoir un autographe de Miss France? Je l'ai jamais eu. Je l'ai jamais vu et puis là c'est la première fois. Vous êtes ceux qui se mobilisent le plus, je pense, pour vos Miss. Bravo! Merci! Un peu bruit pour Sylvie Pipip! Un retour triomphal sur la place de la mairie de Boulogne où elle a reçu la médaille d'honneur de la ville. C'est symbolique pour moi de revenir dans la ville qui m'a vu grandir, ça compte beaucoup. Je suis très contente de revenir 3 jours seulement après mon élection. Voilà, et dès que je pourrai, j'essaierai de revenir dans cette ville que j'aime vraiment. Une véritable fierté pour Boulogne qui rayonnera dans toute la France grâce à sa Miss. C'est une ambassadrice pour notre pays et c'est l'ambassadrice de Boulogne et de sa région avec toutes les valeurs et la volonté qui est la sienne de parler et de faire rayonner notre région. Maëva Cook a 1 an pour remplir sa mission et elle a déjà conquis son public.